Bonjour, je m'appelle Noreen, je suis docente ici au musée Hunt Museum. Je suis dans la salle de l'art religieux, dans le trésor du musée. Je suis devant ce tableau qui s'appelle Dieu le Père. Dieu le Père, c'est un tableau du début de la Renaissance et c'est un tableau attribué à Nicolas Froment au 15e siècle. Nicolas Froment est un peintre français, bien sûr, qui est né dans le nord de la France, en Picardie. Il a été formé en Flandre et il est venu dans le sud de la France à Avignon à partir de 1465. Et c'est là qu'il est devenu peintre officiel de la cour de René d'Anjou, le roi. Et là aussi, il a aidé à fonder une école des peintres. Cette école, c'est très important car c'est une réaction à la popularité de l'art italien de la Renaissance en France. Ce tableau en bois, en fait, ce n'est qu'une partie d'un plus grand panneau en bois. C'est en or et il portait un manteau rouge. C'est un dieu autoritaire, sévère, avec les yeux perçants et le barbu, il a les cheveux longs. C'est en tempera et en or. Alors, Nicolas Froment est considéré comme un des peintres majeurs de la Renaissance à Avignon. Et nous avons la chance de pouvoir admirer ce tableau de la Renaissance à Avignon, en France, au début de la Renaissance.